Premier ministre a effectivement déposé ses pièces au niveau du Sénat et au niveau du bureau du secrétariat général. Ce sont des pièces, des photocopies qui sont certifiées conformes à l'original. J'ai des rencontres régulières avec les blocs et le GCEP, le GPRD et ensuite le groupe Inform. Je leur parle au téléphone si je n'arrive pas à les réunir. Mais il se trouve que nous sommes encore en consultation au niveau du Sénat de la République. Mais il y a des gens qui disent que c'est un marché pressé, ou un bagage qui est en silence. Le marché pressé était peut-être du côté de la présidence, qui a répondu à sa vocation constitutionnelle en formant, je dirais, le cabinet en choisissant le premier ministre. Mais nous autres, nous avons notre part constitutionnelle à jouer. Et cette part consiste, n'est-ce pas, à voter. Le premier ministre est nommé et a ratifié l'énoncé de politique générale du premier ministre. Mais avant cette étape, il est important que nous formions une commission. Et cette commission doit être formée en assemblée. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une assemblée. Cela va dépendre de la décision de l'assemblée si on doit former, en fait, aujourd'hui la commission. Mais il est important que l'étape qui doit s'appliquer aujourd'hui, c'est la formation de la commission destinée à étudier les pièces du Premier ministre et des ministres. Et qui sont venus par rapport à l'aide sénateur et Patrice Dumont, lui, adressé à ce dossier? Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une rencontre, n'est-ce pas, une séance et une assemblée sénatoriale. Au cours de cette séance, la question sera agitée, la lettre, la correspondance de Patrice Dumont sera lue, n'est-ce pas, et à la tribune officielle du Sénat, et les honorables sénateurs de l'Assemblée auront à se prononcer. Et comment demande là? Quelle demande? Demande de faire nous pour collègues. Je n'ai pas à me prononcer sur une demande, n'est-ce pas, d'un sénateur. Je n'ai qu'à écouter la voix de l'Assemblée. Donc c'est l'Assemblée qui est souveraine, c'est l'Assemblée qui va décortiquer cette lettre, n'est-ce pas, qui va étudier, analyser la lettre, et finalement, en fait, prendre une position. C'est à partir de la position de l'Assemblée que vous aurez ma position, puisque nous sommes en régime d'assemblée au niveau du Sénat de la République. J'attends que l'assemblée se prononce pour que nous autres, nos bureaux, nous puissions appliquer. Mais vous-même, comme président Sénat, l'entendez, on sait, un sénateur pareil, ou à parler avec un chef gang, ça tout. Qui t'a impliqué dans le kidnapping, enlèvement? Bon. Ça me dit quelque chose. C'est pourquoi je prends à cœur ce dossier et que ce dossier sera agité aujourd'hui au niveau de l'Assemblée. C'est parce que nous savons que nous avons une mission et ce n'est pas la seule la police qui est là pour protéger, n'est-ce pas, et servir. Nous sommes au niveau du Sénat là pour protéger aussi. Juste le dossier à cœur, mon bagon position sur ça, ça va loin. Je n'ai pas à prendre de position personnelle. C'est un dossier qui concerne le pays. C'est un dossier qui concerne d'abord l'Assemblée des sénateurs. On va parler de levée d'immunité maintenant. C'est un peu pour rassurer. À qui le faut la procédure, c'est que la justice entend d'abord le sénateur. Si la justice a des indices probants, la justice est prise au bureau de l'Assemblée et demande, n'est-ce pas, au bureau de l'Assemblée de lever l'immunité du sénateur. Ce n'est pas à nous autres au niveau de l'Assemblée de lever automatiquement l'immunité du sénateur. La procédure tracée, c'est que la justice écrit au bureau, demande que le sénateur soit mis à sa disposition, n'est-ce pas, pour être entendu. Et une fois que des indices probants sont trouvés, la justice va nous écrire au niveau du bureau pour nous demander, non, c'est formel. Alors, on ne peut pas prendre de décision comme ça. La commission justice là déjà font rapport. Je n'ai même pas le rapport de la commission de la justice. Il dit que Garcia Delva va aller 24 fois. Je n'ai même pas le rapport. J'ai le rapport de la commission de justice. Tu sais que quand une commission de justice présente un rapport, la commission travaille pour l'Assemblée. C'est à l'Assemblée toujours de se prononcer. Et concerné à avouer, effectivement, on peut parler avec. Ce n'est pas au bureau, il a avoué. Mais l'Assemblée doit se prononcer. Aujourd'hui, nous allons faire une séance. Et au cours de cette séance, nous allons agiter et décortiquer la question avec l'Assemblée. Je ne sais pas, mais en tant que responsable, il est de mon devoir de lancer cette séance parce que c'est un problème, c'est une question qui concerne au plus haut niveau l'État, n'est-ce pas? Et je crois que c'est une situation qui implique au premier plan le Sénat de la République, le bureau du Sénat se doit de convoquer les sénateurs pour qu'ils viennent décortiquer la question et lui permettre de prendre une position. Voilà, c'est le président Sénat, c'est dans le moment où tu as sorti dans la cérémonie que tu as faite dans l'Académie Polistan, tu as mis plusieurs journalistes là-dedans, collaborateurs, nous, Gervens, Ricardo, Jean-Jacques. Effectivement, hier, nous avons lu notre sénateur et Patrice Dumont, et vous voyez, bail président Sénat, et sous dossier, grâce à Delva, il t'a demandé, il a dit tant, et gagner un monde qui a frappé dans la porte, institution salariée du Sénat, qui c'est la vertu. Et pour ouvrir, pour quitter vice, toute qualité, Timès qui gagne, sorti, il était dénoncé le fait que un parlementaire a impliqué dans tout dossier ça. Donc, c'était sénateur Patrice Dumont, jusqu'à présent, qui est le seul sénateur qui prend position ça publiquement
dans dossier grâce à Delva si mettez sous côté président commission Sénat et commission justice sécurité acte défense nationale qui lui-même fait des révélations. Il était fait révélation concernant combien fois et grâce à Delva t'es parlé à chef gang non et en plus de ça hier après une rencontre qui t'est gagné avec directeur police non avec directeur de CPJ il était devant la presse encore pour parler à 90% directeur général police non t'es diminué quel Gédéon effectivement que grâce à Delva concerné cependant et gain directeur exécutif RNDDH monsieur Pierre Espérance dans interview li bay concerne Magic 9 que reproduit journée jeudi dans journal de Nouvelliste il était allé plus loin même s'il pas cité non il dit qu'un sénateur dans sud qui lié à dossier chef gang Anel Jean et qui intéressé d'yé faut que nous connaissons d'yé c'est agence américaine qui a goumé contre question trafic drogue déjà et parlé avec Arnel J qui semblait cap très abondant collaborer même j'ai avec DCPJ mais il pas cité non mais par contre il cité non grâce à Delva dans ça qui concernait dossier kidnapping ça un dossier tout sénateur Patrice Dumont cité et à partir de propre source information par Lydie il gagne sous même dossier ça donc tu as gagné deux sénateurs et qui gagne non cité dans des actes terribles inimaginables et ni question affaire drogue là bon il a dit que ça fait déjà été arrêté au président Sénat et qui t'a fermé en prison dans pays États-Unis et mais question kidnapping non il a dit tout gain gros chabra qui grand orient qui habitué impliqué la donne mais question kidnapping non que tout pour nous dépenser que te résoudre et bien faut que nous dou que li retourner là et gain en pile famille qui a souffri non seulement il a déchappé pour prendre ça yo pas gagné mais en plus de ça il a torturé de fuck pays a connaît question kidnapping non li retourner malgré toute avancée technologie à faire qui te permet de te croiper pendant un bout de temps. Jovenel Moïse, nous connaissons chercher toute occasion pour capable faire songer Lila après il te font bon temps, je pas de compte côté le teye, il était aux abonnés absents et chaque fois que nous connaissons lever camper à monter, il plongeait. Eh bien, il y a quelques temps, il fait tentative ça jusqu'à ce que lui-même annonce le nouveau gouvernement pendant que pays a qu'on a fait calcul combien ancien premier ministre pays a capable supporter à tout privilège et en même temps faut nous prendre précaution pour ne pas gon position populiste pour nous faire connaître que faut que baba en quel monde qui travaille dans l'état avantage parce que ça il ca vienne révèle tout c'est avec tête frette mais avec bon analyse pour analyser situation ça probablement les mesures ça est après pas de penser que pays a tape comme ça parce que mes kounye là gardez pour un seul président dans moitié mandat li getan sous trois anciens premiers ministres ou pas connait s'il pas son quatrième ancien premier ministre à tout privilège que yo prévoit pour yo est-ce que un petit pays tant quoi Haïti gère pour capable supporter ça ça c'est des chantiers c'est des débats sérieux que yo doit pour pays analyser bon si kounye là monsieur yo choisi pas passer ça va faire quatre anciens premiers ministres à privilège police machine cop tout ça. Jovenel Moïse prend la parole journée jeudi dans occasion cérémonie graduation 6e cohorte commissaire qui sorti dans l'académie police non il profiter fait quelques déclarations évidemment la presse était là côté il continuait à répéter depuis l'arrivée sous pouvoir il toujours chercher pour faire dialogue à tout le monde en tête ensemble. Et puis après ça, il parlait des affaires qui gagnent à revoir à gouvernement nommé qui pour ratifier. Il parlait depuis 4 mois pays à sans gouvernement, budget qui pas voté, institution l'État qui pas fonctionné. Et puis accord prêt international Haïti pas qu'à joindre puisque parlement pas voté. Et il montrait c'est ça plus gros problème pays à faire face. Et puis il parlait de l'école qui va l'ouvrir. Saison cyclone, insécurité et la trier. Là, il fait bilan ça. Nous connaissons pile monde qui levait la voix pour demander pour te démissionner parce que incompétent, mais en plus de ça, tout lui impliqué dans une série de dossiers qui pas bali et capacité morale pour le rester dans tête pays. Et je ne veux d'Alban nous bilan que pays a pas fonctionné réellement vrai, mais il demandait tout le monde qui était lui même Jean Avel et pour mettre main ensemble, n'a cité pour bail pays à un gouvernement. Comme si ça pral mettait Haïti sous rail. N'attendez déclaration Jovenel Moïse qui toujours ne parlait national là comme président
et qui fait déclaration ça dans Académie Police, non? Côté reporter nous Gervens Ricardo Jean-Jacques est présent pour Radio Kiskeya. Depuis mon arrivée dans tête l'État, moi toujours approcher ligne, inviter tout le monde, mettre tête ensemble pour chita tendre un l'autre. Moi toujours demander bagage ça parce que nous connaissons société à diviser en pile. Vos divisions ça fait une pelote. Li fait une refuser chita à l'autre. Comment on a fait sauver pays ça si on pas parler à l'autre. Responsabilité panne, c'est travail pour gagner et stabilité politique qui se premier bien public, j'en m'en habitué de dire. Depuis plus de 4 mois, le pays a pas un gouvernement qui ratifie. Budget national pas voté. Situation ça la cause un pile bouleversement dans l'économie pays. Institution l'État n'a pas qu'à fonctionner normalement. Partenaires internationaux n'a pas qu'à engager. Gagner accord de près 150 millions de dollars qui signé depuis l'année passée à Taïwan pour construire tout réseau électrique, zone métropolitaine, avec 51 autres villes côté pas de courant dans le pays. Accord ça, il faut qu'on vote. Loi électorale qui vient plus passé une année, dans le Parlement, qui pour permettre une bonne élection, il faut qu'on vote. Population attend un pile bagaille dans le monde d'être voté. C'est peut-être ça, une fois encore. Maintenant, de toute élite pareil, moi. Je voulais parler de sénateurs, de députés, magistrats, Kazek, Azek, délégué Villio, pour nous faire une chaîne de solidarité, dans le respect l'un pour l'autre et dans le respect de la loi, pour nous capables de mettre main ensemble pour nous bailler pays à un gouvernement, pour adresser, presser, problème de gens, tant coup, entre l'école là, qui est là pour faire demain matin. Saison cyclonique là, ça fait insécurité avec la misère. Voilà, déclaration, Jovenel Moïse, je dis à l'Académie pour l'instant. Et puis, nous avons tourné avec le président du Sénat, Calmira Cantave, de confirmer recevoir la lettre Gracia Delva, qui écrit bureau là pour l'annoncer. Le pape CG encore dans le bureau là, comme vice-questeur, jusqu'à ce que la justice fasse lumière et sous accusation, kidnappeur, qui gagne sous dol. Non, lettre salve et bail, Sénat, lui demande autorisation pour la répondre. Bon, ça, il a annoncé que lui prêt. Pour capable et aller devant juge. Et selon le sénateur Calmira Cantave, et c'est avec décision qu'il y a une assemblée qui peut aller pour pencher sous le dossier, ça, question immunitaire. Le président Sénat a précisé c'est la justice qui doit écrire bureau pour demander de lever l'immunité sénateur. Si toutefois, il y a un indice suffisant qui est capable de prouver implication grâce à Delva dans le dossier kidnapping, ça, un dossier bien précis. Et gens que nous connaissons, ils ont parlé de combien coûte tout, 112 000 dollars, famille Monta a été obligée de payer. C'est un entrepreneur avec deux mondes qui travaillent avec lui, qui ont été kidnappé. Et nous attendons le sénateur Calmira Cantave et dans le micro Vinel Joseph. Effectivement, nous avons reçu une lettre, une correspondance de la part du sénateur Gracia Delva qui dit que pour nous exonérer de siège au niveau du bureau Sénat. Est-ce que, à partir de jeudi, en attendant que lumière soit faite sur la question, en attendant que la vérité soit établie, eh bien, lui-même, lui dit que est indisponible pour participer, pour siéger dans le bureau. C'est ça, tenir l'aide que le sénateur Gracia Delva va vous. Et alors qu'il est peut-être l'aide là, la pas pour les réseaux sociaux, mais nous-mêmes, ça nous gagne à menoir, il faut qu'officiellement, nous informer. En fait, opinion nationale et opinion nationale que le sénateur Delva dit que les indisponibles pour siéger dans le bureau en attendant que lumière fête sous question. Et mais toujours est-il, la séance d'aujourd'hui est maintenue. Le Sénat de la République doit se prononcer, n'est-ce pas, sur la question, parce que c'est une question, n'est-ce pas, qui a rapport avec un crime d'État, n'est-ce pas, le kidnapping. Et je crois que le Sénat, en tant qu'institution d'État, supposé prononcer, n'est-ce pas, sous question 1. Et de supposer, en fait, une décision que le prend aujourd'hui. Donc, c'est dans ce sens-là nous avons invité l'ensemble des sénateurs pour venir pour parler. Le président Cantave n'a aucune position sur la question. D'ailleurs, je n'ai pas le droit d'avoir, en fait, de position personnelle sur la question. Nous sommes en régime d'assemblée, et en régime d'assemblée, c'est l'horizontalité, ce n'est pas le verticalisme. D'accord? Donc, nous avons que l'Assemblée a prononcé pour que nous-mêmes nous puissions appliquer la décision. Nous n'avons pas de loi qu'on y a parlé de pencher sur l'immunité sénateur. Et je dis à son procédure qui gagne, procédure la fois qu'on connaît. Le par exemple, il y a un sénateur qui a un problème de justice. D'abord, la justice doit écrire bureau Sénat
pour demander bureau au Sénat pour le mettre sénateur là à la disposition pour répondre à une question. Une fois que, n'est-ce pas, que justice, la justice joigne des éléments probants, des indices probants, à partir de ce moment, la justice qui doit écrire non pour que demander pour nous lever immunité sénateur là, pour que sénateur là, capable à la disposition de la justice nette pour qu'elle réponde de forfait de ça que vous reprochez. D'accord? Donc, c'est ça la procédure. Mais ce n'est pas le Sénat, de façon spontanée, et qui va dire, nous allons lever l'immunité du sénateur. Il y a une procédure, nous essayons d'accepter, en fait, de respecter de façon littérale la procédure. Mais m'a dit nous tout que, des fois, il faut arriver que, en fait, avant même que la justice écrit pour demander, pour mettre sénateur, un sénateur à la disposition, des fois, assemblée à l'icône aller plus vite, n'est-ce pas, proactive et assemblée à qu'on dit, écoutez, vu situation, hein, pour calmer par exemple l'opinion publique et autres, donc nous décidons qu'on y a là, en fait, méthode aux questions de la justice. Maintenant, dans l'intervalle, je pense qu'il a réduit la procédure, dans l'intervalle, il dit non que, non seulement le PAPCG, mais il dit non que, il mettait tête lui à la disposition de la justice. Donc, nous pensons que ça mettait une position confortable au niveau du Sénat. Nous n'avons pas qu'une question, Sony. Aucune pression. Je n'ai même pas encore parlé au sénateur Grassa Delva. Je n'ai pas rencontré le sénateur Grassa Delva. Et je crois que je t'ai invité le sénateur Grassa Delva pour le venir jeudi hier dans cette séance-là, pour que, avant cette séance-là, pour commission justice statique interroger. Alors, c'est la même séance-là. Président. Mais nous, comme nous, ouais, Ligue étant écrit aux lettres, il dit non seulement pas siéger dans le bureau, mais encore limité à la disposition de la justice. Ce qui a en fait abrégé la procédure. Oui, c'est le président Sénat calme à Cantal. Cependant, l'engade, depuis le travail qui était fait dans le Sénat, dans la commission justice, sécurité et acte défense nationale, là, et sénateur Jean-René Sénatis, Zokiki, qui t'a montré que grâce à Delva, t'a parlé 24 fois avec un chef gang criminel qui sauvait dans la prison, qui assassine un paquet de monde. Non seulement lui-même, lui t'a dû retirer l'école dans le Sénat, ça t'a agacé un peu de monde. L'autre, elle t'a ferraillé comme si de rien n'était. Et en plus de ça, assemblée à lui-même, parce que si assemblée et Sénat, il y a défendu des valeurs que vous avez pour transmettre dans le pays, il n'y a pas qu'à collaborer chaque jour avec un sénateur qui gagne une suspicion aussi grave sur lui. Donc, dossier ça, ça n'est pas qu'on y a pour le devant la justice. C'est vrai, kidnapping dans son crime. Mais, monsieur Dedo éclaircit tête li déjà. Et donc on est contenu ça te qu'on a dit à chef gang là et en plus de ça il y a l'autre accusation qui fait qu'on est que qu'on abrite chef gang là toute bagaille ça yo y a pas de tolérer ça montre tout état dans qui état moralité ailleurs en dedans Sénat n'a fait un premier campé.